garçons. Je suis trop contente de vous présenter les produits. Alors, en fait, c'est un partenariat avec la boutique Gutfeld. Alors, je vous mettrai donc tous les liens des produits sous la vidéo. Alors, en fait, j'ai été contactée par Amy de la boutique donc Gutfeld pour me demander en fait si ça m'intéressait un partenariat. Donc, je suis allée donc visiter la boutique et en fait, bon, vous trouvez donc DDP. Un choix phénoménal, DDP, de la peinture, vous savez, avec les numéros, des petites toiles pour faire du point de croix. Donc j'ai choisi aussi, vous allez voir, c'est trop beau. Donc voilà, je l'ai reçu ce matin, vous voyez, il est exactement 18h12. Donc j'ai hâte de vous présenter, comme ça je vais pouvoir commencer le DP. Et en plus, je vous avais même dit qu'on fera un petit live et pendant ce live, on fera donc le DP. Je vous dirai, hein, donc voilà, au moment. Hein. Bon, voilà, alors je vais baisser et je vous montrerai. Donc, on commence. Oh, donc, je vais vous faire... Ah oh là là, mais vous allez voir, c'est... Waouh, c'est... Waouh. Alors, je vais commencer par celui-là. Attendez, je vais tout mettre là comme ça. C'est magnifique, je vous assure, c'est magnifique. Ah là 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 là. Là ici, je dois avoir un petit... Ah oui, voilà. Il me semblait qu'il y avait encore... Voilà, ça, je vais mettre là. Alors, donc, regardez ce que j'ai choisi. En premier, du point de croix. Alors ça, moi, quand j'étais gamine... Vous voyez ici à la description en fait. Donc ça, je ferai une vidéo et on le fera aussi ensemble. Ça peut être sympa. Alors moi, le point de croix, je n'en ai jamais fait. Quand j'étais gamine, je faisais du canevas. Mais voilà. Donc je ne sais plus du tout si c'est comme du canevas. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Voilà, regardez l'image. Non. Ah ouais, je suis trop contente d'essayer. Ouais. Donc moi, j'ai pris une petite, voyez, vous avez plusieurs formats, mais moi, comme j'en ai jamais fait, je me suis dit, je vais déjà commencer par une petite. Et puis bon, là, l'image, hein, vous avez vu, c'est trop mignon, hein, regardez. Non, bon, j'adore, hein, bon, j'adore. Ah ouais, ah, c'est trop bien, regardez. Et en plus, vous avez donc ici... Toute la laine, hein, tous les... Ah, c'est bien, ouais, dis donc. Et ici, vous avez donc l'aiguille. Voilà. Et ici, ouais, c'est bien expliqué, vous voyez. Voilà. Moi, j'adore, hein, j'adore. Et vous avez ici, donc, tous les... Ouais, tous les la légende en fait, hein. Je vous dis, hein, moi on va tester ensemble, hein, parce que je n'en ai jamais fait, mais ouais, c'est génial. Donc il donne les explications. Donc hâte de qu'on le fasse ensemble. Alors ensuite, j'ai pris, je vous montrerai donc les DP après. Alors ici, un petit stylet pour le DP. Oh là 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 là. Alors, regardez, moi j'ai vu la petite tête, je craque. Hein. Ah bon, une petite tête comme ça, je craque. Hein. J'adore. Hein. Ah, j'adore. Puis bon, vous voyez, ici, là. Et en plus, il est lumineux. Waouh. Alors, est-ce que vous voyez bien? Regardez. Excellent. Non, mais excellent. Excellent, excellent. Ah ouais, c'est... Alors, c'est top. Top, top. Ah non, mais c'est bien parce que au moins, vous voyez, comme ça, on voit bien les perles et tout. Oh, c'est génial. Oh, je suis trop contente. Là, c'est... Ouais. Je suis contente. Ah, c'est génial. Ah ouais, trop, trop beau. Et là, c'est... Vous voyez, le petit... Oh, je suis trop beau, quoi. Non, mais alors, lumineux comme ça, c'est génial. Alors, je vais vous montrer la petite mallette et après je vous montre les DP. Non mais regardez-moi ça. Non mais regardez. Ah oh là 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 là. Même Pablo il est content, n'est-ce pas? Est-ce que tu es content? Oui?
Regarde, elle est belle, hein? Même pas. Oh non, mais. Oh, regardez. Non, mais regardez. Oh là 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 là. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. C'est la boîte de. Comment? De rangement. Waouh! Non, mais. C'est une merveille. Ah non, mais c'est magnifique. Oh, je suis trop contente. Puis alors, ici, vous avez donc les petits tubes pour mettre vos petites perles. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 4 et 4, 8, 8 et 4, 12, 16, 20, il y en a 24. Donc, une boîte pour 24 petits tubes de rangement. Elle est magnifique, regardez-moi ça. C'est trop beau, hein? Oh, c'est génial! Ah, génial! Donc, si on a envie d'aller, si on veut faire du DP ailleurs que chez nous, on prend sa petite mallette, son petit DP, et voilà. Et c'est super pratique, quoi. Oh, elle est trop, trop belle. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Moi, quand j'ai vu l'image, j'ai dit, ah non, non, non. Oh, celle-ci, elle est faite pour moi, hein. Ah non, mais. Ah, j'adore, j'adore. Bon, alors, maintenant, je vous montre, et donc, vous avez les pastilles pour coller, donc, les numéros. Alors, maintenant, je vous montre les DP. Vous allez voir. Alors, il y en a un, il y a du rose. Ça, c'est sûr. C'est avec des pots. Je fais attention quand même de ne pas découper. Ah ouais, je vous ai dit, on le fera ensemble. Hein. Ouais. Vous viendrez à la maison. Boire un petit café, on se fera un petit live et on se fera le DP. Donc, ça. Voilà. Ah là là. Oh là 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 là. Non, mais regardez. Ah là 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 là, mais regardez. Alors, vous avez donc toutes les perles hein, dans les petits sachets. Après, moi, je vais transvider dans les petits compartiments. Le petit plateau, la petite gomme et le petit stylet. Hein. Et regardez cette toile. Regardez, je vais la mettre beaucoup plus loin. C'est magnifique. Elle est. Oh là là, je la mets dans mon atelier. J'adore, 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 j'adore. Regardez avec les pots comme ça. Waouh! Ah non, mais je suis trop contente. Je suis trop, trop, trop contente. Ah ouais, hâte de commencer. Hâte de commencer. Donc, moi, ce que je vais faire, vous voyez, bon, ben, pour bien la détendre, je vais bien mettre, je vais essayer de mettre des petits, comment dire, des petits pois de chaque côté, vous voyez, simplement pour bien détendre. Je vous la montre encore parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, là, 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 là. Ton de rose et tous des tons pastels, quoi. C'est waouh! Oh, trop trop beau. Ah, je suis contente. Alors, le deuxième, donc vous voyez, bon, les perles. Hein. Ah ouais. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Alors, donc, vous avez toutes les petites perles. Alors, vous voyez, regardez. Voilà. Donc, vous avez toutes les petits sachets. Donc, je vais quand même. Vous montrer brièvement. Voyez, regardez. Vous avez donc ici, vous avez la légende. Voilà. De toute façon, comment dire? Je vais regarder si on peut. Je vais voir. Si ça c'est. On va essayer d'en faire au moins quelques perles ensemble. Hein? On va faire ça. Alors, je vous montre ensuite le second. Alors, le second. Oh là là, je suis trop contente. Hein. Oh, de toute beauté, de toute beauté. Oh là là. Alors, le deuxième. Ah oui, ah oui. Oh là là, qu'est-ce que. Oh là là. Ah non, mais. Oh là là, regardez. Regardez. Vous savez, hein, pour celles qui me connaissent, hein, vous savez que j'adore hein, tout ce qui est thème de Paris. Hein. Et quand j'ai vu, vous voyez. La tour Eiffel et tout. Oh là, ici, regardez. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ah ouais. Regardez. Ah, oh, je suis contente. Ah, oh, je suis trop, trop contente.
voyez? Voilà. Donc c'est pareil, vous avez le stylet, hein, à chaque DP, vous avez, c'est vendu avec le stylet, le petit plateau, la petite gomme et toutes les perles. Alors nous, ce qu'on va faire, on va commencer à faire quelques petites perles ensemble. Ça ici, je vais le mettre là. Ah, c'est sympa, hein, qu'on fasse quelques petites perles ensemble. Pablo, oui? Oui? Tu veux qu'on le fasse? Quelques petites perles. Oui? Bon, il a dit oui, hein. Oui, il a dit oui, Pablo. Oh là, je suis trop contente, quoi. Ah, oh, c'est génial. Alors, donc, on va prendre. Alors, évidemment, nous allons commencer. Bon, voyez, là, c'est simplement parce que j'ai envie qu'on le fasse. Je vais baisser un petit peu, vous voyez? Pour qu'on le fasse ensemble. Voilà. Voilà. Mais sinon, vous voyez, j'attends quand même que la toile soit bien. Comment dirais-je? Voilà. Qu'elle soit bien lisse. Vous voyez? Alors, vous avez donc ici la légende avec, donc, ici les chiffres et ici vous avez les couleurs. Donc, moi, j'ai envie de commencer. Je vais commencer par le numéro 4. Vous voyez? Alors, ici, le numéro 4. Alors, le numéro 4, bah, c'est le numéro 4, hein. Ouais, le numéro 4. Non, parce que parfois, ça correspond à des. Le numéro 4. Alors, je vais directement, vous voyez. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais c'est. Waouh! Alors, je vais prendre ma petite. Oh, je suis trop contente avec le petit sac et tout. Oh là là, c'est trop. Alors, le numéro 4. Vous voyez, comme ça, hop, je mets direct. Là. Alors. Non, on n'a plus. Donc c'est le numéro 4. Il y a une petite perle. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est directement, je vais mettre mon crayon, ma petite pastille, vous voyez. Alors, le numéro 4. Voilà. Comme ça, je le mets au crayon de bois, vous voyez. Hop. Je suis trop contente. Trop, trop contente. Donc, je vais mettre directement. Vous voyez, hop. Voilà, comme ça, je la colle directement sur le bouchon. Et après, je peux commencer. Alors, ici, là, mon petit stylet lumineux. Voilà. Alors, vous voyez, je vais mettre quelques petites perles. Voilà. On va faire quelques petites perles ensemble. Hein. Là. Je vais mettre là. Alors, moi, je vais commencer, vous voyez, par le haut. Donc, je retire tout doucement le papier, vous voyez, de protection. Hein. Tout ça, c'est une partie qui est collante. Hein. Pas ici, parce que là, c'est carrément l'image. Vous voyez, mais ici, la fleur, c'est une partie collante. Bon. Alors, moi, je vais prendre le numéro 4. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la gomme. Où? Where is la gomme? Allez, là. Voilà. Donc, vous avez une petite protection sur la gomme. Vous voyez? Donc, des deux côtés. Alors, je montre, hein, pour celles et ceux, admettons, qui découvrent le DP, vous voyez? Alors, je vais prendre un petit peu de gomme. Voilà. Voilà, on en prend un petit peu. Voilà, j'en ai mis. Voilà. On en prend un petit peu et on va prendre après plusieurs perles. Il ne faut pas systématiquement, vous voyez, dès qu'on a pris une perle, il ne faut pas à nouveau appuyer sur la gomme et reprendre. Non, non. Quand on a pris un petit peu de gomme, on peut faire beaucoup de perles en fait. Hein. Et voilà, donc nous sommes donc le numéro 4. Alors, vous avez sur les petites perles, vous avez une face qui est bombée et une face qui est plate. Donc, moi, je prends toujours la partie bombée.
Et voilà. Numéro 4. Alors, je vais faire en lumineux. Voilà. Oh, c'est génial. Alors là, franchement, c'est... C'est bien comme ça, ça repose les yeux, quoi. Le fait qu'il y ait la petite lumière comme ça. Génial. Vous voyez, on prend un petit peu de gomme. Et après, on vient chercher les petites perles dans le petit plateau. Et toc. Et voilà. Vous voyez? On continue? On en fait encore un petit peu. Non. C'est agréable, je vous assure. Franchement, si vous n'avez jamais... si vous n'avez jamais essayé, franchement, vous devriez tester, vraiment, hein, tester, je vous assure, c'est relaxant, c'est... Ah oh, ouais, ça détend, hein, ça détend. Hein. Comme je vous dis, moi je me mets devant la télé, vous voyez, admettons, je prends mon DP, je le mets dans un plateau, je m'installe dans mon canapé, et alors, voilà, et on fait du DP. Mais c'est vrai, quand on commence, quand on n'a jamais fait, bon, autant choisir une petite, un petit format. Comme ça, vous voyez si ça vous plaît. Mais, oh, c'est génial, quoi. C'est génial, c'est... Voilà. Allez, je vais en faire quelques perles encore. Vous voyez que c'est le petit peu de gomme que j'ai pris. Regardez, je mets quand même, je fais pas mal de perles. Hein. Puis après, moi, quand les DP seront terminés, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du vernicole. Je veux passer une couche de vernicole. Et puis, comment je vais l'accrocher, en fait, hein, dans mon atelier. Il reste encore un petit peu de perles, donc voilà. C'est vraiment bien, ce petit stylet lumineux, c'est génial. Ah ouais, super contente. C'est un plaisir. Attendez, il me reste encore 4 perles. Alors, je vais... On va aller... Hop. Vous voyez, des fois, quand ils sont un peu face... c'est pas grave. Hein. Mais moi, je tapote un petit peu comme ça sur le plateau. Vous voyez. Et... Et alors celui-là, ce qui est bien dans ce DP, en fait, c'est vous avez, une partie image. C'est très joli, ça. Une partie image et une partie DP. Hein. Je vais bien vous remontrer. Je finis les deux perles. Et ça, c'est top. Ouais, ça, c'est top. Comme ça, mettons, quand on débute... Vous voyez ce que je veux dire? Quand on débute, bah si on prend image et DP, c'est bien. Comme ça, on voit si ça nous plaît. Hein. Vous voyez? Parce que regardez, je vous montre. Alors, ici, je vais mettre là. Vous voyez, regardez. Attendez, je vais retirer les perles. Je vais les mettre là. La petite gomme, je la mets là. Oh, l'œil de ton petit coin-coin, regarde. Voilà. Alors, voyez, regardez. Vous avez des DP. Où vous avez toute la toile qu'il faut recouvrir de perles. Hein. Et vous avez des DP comme celui-ci. Ça, ici, vous voyez, c'est l'image. Donc, en fait, vous avez là, ici. Il y a ici, là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va très vite. Hein. Ça va très, très vite. Hein. C'est la même chose que si vous prenez un tout petit DP. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout ça, c'est une image. Tout ça, c'est l'image. Hein. Voilà. Voilà, donc vous voyez,
On a fait donc quelques petites perles ensemble. Voilà le rendu. C'est sympa, hein? Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, alors moi, comme je vous disais, je vais mettre tous les liens des articles. Je vais les mettre donc sous la vidéo. Voilà. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez, hein, en fait, par rapport au choix hein, que j'ai pris. Alors, écoutez, moi, vraiment, j'adore. Je vous remontre celui-ci. Et où j'ai mis... Ah, ben, il est là. Et je vous remontre le second. Je ne vais pas mélanger les perles parce que là, c'est embêtant. Hein. Et voilà, c'est ici, sur le thème de Paris. C'est pareil, hein. Là, ça fait image et d'épée. Vous voyez, donc... voilà. Ici, il y en a un peu plus, hein, parce que je vois ici, là, vous voyez, il y a tout ça ici et tout ce côté-là. Là, non, c'est image, la tour Eiffel. Ils sont magnifiques. Hein. Ah, je suis vraiment... waouh. Ravie, mais alors, ravie. Voilà, et donc, celui-ci. Voilà. Alors, donc... comment donc je disais oui on fera comment comme je vous ai dit on fera le petit live on blablatera et puis on fera le DP et je ferai aussi une vidéo avec vous avez la petite toile là, pour faire le point de croix on le fera ensemble aussi voilà et puis voilà bah, c'est tout ce que je vous ai montré voilà hein, je vous ai tout présenté voilà voilà bon alors j'espère que ça vous a plu je vous remercie pour tous vos adorables messages. Vous allez me dire, Nathalie, je suis encore en retard. Oui. Oui. Et puis, je vous remercie donc pour toute votre gentillesse. Ouais, ça me touche beaucoup. Je remercie aussi, je remercie encore donc Amy de m'avoir contactée et puis de m'avoir proposé ce partenariat. Moi, je suis ravie. Voilà, je suis... Ah ouais, non, mais j'adore. Hein, ils sont juste magnifiques les DP. Puis la trousse et tout, waouh, c'est trop beau, quoi. Attendez, je vous la remontre encore. Non, mais regardez-moi cette merveille. J'adore. Ah là là, regardez. C'est trop beau, hein. Trop beau. Voilà. Alors, et je vous souhaite donc une bonne soirée. Est-ce que je vais réussir à la mettre après? Je pense. Là, il est 18h33. Je pense que ça devrait le faire. Je vais peut-être pouvoir réussir à mettre la vidéo après. Voilà. Donc, je vous remercie encore et encore et encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse et puis, puis notre belle amitié. Hein. Ça, c'est... Waouh. C'est comme je vous dis à chaque fois, c'est énorme. Et je vous fais des gros. Et nous, on se retrouve très vite, hein. Mais avant, je vous fais des gros. Bisous d'amour. À très vite. Bisous.